Coucou, vous avez un diastasis et vous avez peur de faire certains exercices, peur d'aggraver la situation. Aujourd'hui, je souligne trois points importants. Premier point, la phase de rééducation. Si vous venez d'accoucher, ou on va dire un an postpartum, c'est le moment de faire la rééducation, de pouvoir affiner votre ressenti, de retravailler tous ces réflexes, toute cette synergie qui va se faire entre le périnée, le transverse, bien ressentir la respiration. C'est la phase de rééducation. Le diastasis après est stabilisé. On va essayer de le rendre fonctionnel. Phase 2, on le rend fonctionnel. Parfois, à trop vouloir se mettre dans du coton, on oublie justement de rendre ce diastasis fonctionnel et on se comporte comme si on était tout le temps en phase 1. Donc, le rendre fonctionnel, ça veut dire reprendre la globalité des abdominaux, mais reprendre la globalité du corps aussi. En troisième lieu, quelle que soit la phase dans laquelle vous allez être, vous faites attention à bien gérer les pressions intra-abdominales. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps être en hypopressif, ni qu'on doit tout le temps faire gaffe. Ça veut dire justement qu'on apprend à bien respirer, à ressentir la respiration, à éviter les apnées. Donc on va essayer d'être chaque fois global. J'espère que ça vous aura rassuré. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.